Hello à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur l'écran de protection, enfin sur un écran de protection, sur l'installation et voir si c'est vraiment facile de l'installer. Apparemment, hein, ils disent que c'est hyper simple. Donc on va voir. J'ai acheté ça sur Amazon. Je vous mettrai le lien en description, c'est pour ceux qui sont intéressés. Voilà, je trouve que c'est un objet qui est indispensable dans le sens où pour protéger l'écran hein, contre les bagues et autres les choses du quotidien qui peuvent rayer l'écran. Donc autant le protéger au maximum. Donc voilà, moi ça fait quelques mois que j'ai la voiture, hein, mais j'avais pas pris le temps de le faire parce que je trouvais pas du tout l'écran de protection que je souhaitais. Donc là, j'en ai acquéri un. On va voir comment ça donne. Voilà, j'ai acheté ceci. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà. J'ai acheté ça sur Amazon. Ils disent que c'est hyper simple à installer. Donc on verra bien, on va voir, hein. Voilà. Donc il est arrivé. On va voir ça. Et puis j'ai un autre objet que je vais vous présenter aussi. C'est BazNord qui m'envoie ça. Et j'avais envie de vous le présenter. Un petit objet. Au premier abord, on dit que c'est pas si utile que ça. Puis finalement, à l'usage, voilà, ça fait plusieurs semaines et mois que je l'ai. Donc du coup, c'est fort pratique. Et j'en profite du coup pour vous le montrer aussi. On va voir ça dans cette vidéo. Ces deux objets que aujourd'hui ne quittent plus la voiture ou enfin. Ouais. Il y en a un difficile à quitter, mais on va dire, il est là, il protège l'écran et donc c'est important. Et l'autre, il me permet d'avoir un meilleur quotidien dans la voiture. Et voilà, quand vous avez des enfants et tout, vous allez voir qu'il est fort pratique ce petit deuxième objet. Allez, je vous laisse avec le générique. Et puis on se reprend pour la pose de cet écran. Donc, alors. Les premières choses, donc on va regarder. Hein, hop, là on a une protection, on a un grand élément avec le verre de protection. Hein, vous voyez, et tout. Donc apparemment c'est assez simple. On a quoi d'autre? On avait dedans une maroufle et tout, une maroufle. On a un kit de nettoyant écran, une petite notice. Donc on va regarder tout ça. Voilà, rien de bien, hop là, rien de bien complexe. Hop. Alors, la notice. On enlève le screen clean mode. Ok. On met l'écran en mode nettoyage. Donc ça, c'est ce que je vais faire. On nettoie avec le 1, le 2, la petite 2, c'est pour essuyer. Le 3, c'est pour enlever les petites traces qui restent et tout. Ok, les petites impuretés. Bon. Et tout. Et après on vient mettre l'écran dessus, enfin le kit de protection, on tire dessus pour enlever le film de protection derrière, et après avec un doigt on vient
mettre le on vient mettre le finir et tout, et normalement il est posé. Voilà. 30 secondes, on retire, on maroufle et on est, devrait être pas mal. Bon, et ben on va voir. Donc là, mettre l'écran en mode entretien. Ici, on mettait mode lavage. Voilà. On met en mode lavage, nettoyer écran. Donc là, il passe en noir. Donc je prends le petit kit qui est avec. Je l'ouvre. Alors. On sort donc la lingette et tout. Le 3. Donc franchement, tout est numéroté, tout est bien, hein, comme vous avez pu voir. Donc là, on a du 3, du 4, des stickers hein, qui permettent de renlever les petites impuretés vraiment bien et tout. Donc voilà, j'ai plus rien, j'ai la petite lingette et tout. Donc d'abord, première chose, on prend le 1, mais d'abord j'enlève l'ancien écran. Voilà, normalement je devrais pas avoir grand chose, mais on fait le nettoyage. Ça va, c'est ça permet. Allez, hop, lingette alcool imbibée d'alcool. Donc hop, voilà, hop, on met ça là pour l'instant. On passe la petite 2. Pas mal, je vois pas de trucs hein. Donc j'ai pas besoin du 3 et du 4. Donc là, on prend l'élément, on vient le poser sur l'écran. Vous avez un top, voilà, donc en haut vous venez le mettre correctement hein. Ensuite on tire hein. Vraiment et tout, si c'est clean. Et là, tac, j'ai suivi hein, à la lettre ce qui était dit hein. Donc ah. Et on utilise, on marouf les petites bulles d'air présents. Franchement, c'est hyper simple à poser. Ah là, j'ai une toute petite. Voilà. Voilà. Et on enlève l'écran de fin. Et voilà. Voilà, voilà. L'écran est posé, donc vous avez pu voir, c'est hyper simple. Je le trouve pas très cher et la finition, enfin, il est nickel, sans bulle d'air, sans rien. Franchement, voilà. Moi, je l'ai pris en mat. Il existe en brillant, mais je l'ai pris en mat parce que j'aime, je préfère les écrans
et tout. Alors par contre, hein, il va y avoir des traces de doigts, après vous passez et tout. Mais vous voyez, il épouse parfaitement l'écran. Nickel, nickel, partout, partout. Franchement, je suis vraiment bluffé et il est tout propre. Il n'y a pas de bulle d'air et tout. Franchement, je suis content de ce système-là et tout. De pose, nickel. Donc certes, c'est un peu plus cher que un écran classique, mais à chaque fois, vous avez des bulles d'air, ça. Moi, sur mes téléphones mobiles, maintenant aussi, je passe par des systèmes comme ça où je viens clipser sur le téléphone et puis hop, je tire et tout. Ça évite que la poussière vienne s'incruster entre-temps. Donc franchement, non, là, c'est nickel. Nickel chrome et tout. Je suis ravi. Voilà, donc ça, c'était pour l'écran. Et je vais vous montrer le deuxième petit objet qui est à mes yeux très très important aussi. Voilà, allez, on va montrer ça. Hop, je vous le sors. Voilà, donc c'est BazNord hein, qui m'envoie ça et tout. Qu'est-ce que c'est et tout. Quand je l'ai reçu, je dis mais qu'est-ce que je vais faire avec. Ça va me servir à quoi et tout. Je savais pas. J'ai reçu un colis et je savais pas du tout exactement ce que c'était vraiment. Et ben voilà, c'est une poubelle tout simplement. Mais qu'est-ce que c'est bien, parce que du coup ça, vous l'accrochez sur la partie arrière de votre siège et tout. Vraiment, vraiment, vraiment impeccable. Vous accrochez votre sac poubelle, hein, ils vous en fournissent avec un lot de 50, je crois, ou 25, je sais plus. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est pratique. Vous avez ici et tout, vous enlevez, hop, franchement, vous enlevez, tac, tac, il y a une petite lumière LED et tout, c'est vraiment bien. Vous prenez votre sac. Voilà, sac poubelle, vous l'enlevez. Hop, moi j'ai mis les autres. Et tout. Hop, on prend le nouveau. Parce que le rouleau est dans le fond. Hein. Moi j'ai mis, vous voyez, il y a de quoi faire. Mais voilà, vous prenez. Hop, j'ai perdu le bout. Vous prenez. Je sais pas si c'est ce qu'il y a de plus pratique là, parce que je suis en même temps en train de filmer, mais hop, tac, vous allez voir que du coup c'est vraiment pratique. Hop, et vous avez rien qui traîne dans votre voiture, franchement. Quelque chose d'appréciable. Hop. Et oui, hein, c'est un objet vraiment basique, mais qu'est-ce que c'est bien. Et voilà. Et du coup, c'est tout prêt. Hop. Hop, c'est aimanté. On accroche ça derrière le siège. Et comme ça, les enfants, ils ont leur petit sac. Pour foutre leur bordel, enfin tout ce qu'ils doivent aller à la poubelle et tout. Voilà. Alors pendant les voyages, et ben c'est pratique. Franchement, merci à BazNord parce que j'aurais jamais pensé. Et voilà. Donc du coup, ce que je vais essayer d'obtenir pour vous, bah c'est un petit truc de réduction, hein, parce que bah voilà, si vous pouvez l'avoir pour moins cher et tout, bah ça serait bien. Si c'est le cas. Je vous mets en description, parce que au jour du tournage de cette vidéo, je n'ai pas de lien de réduction et quoi que ce soit. Après, j'avais pris pas mal de retard pour filmer ça. Voilà, des petits soucis de santé qui m'ont retardé. Voilà. Mais sinon, du coup, merci BazNord. Franchement, top, 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 l'objet. Merci. Et franchement... assez pratique. Donc j'essaye d'obtenir un petit code de réduction pour vous. Il sera en description.
Vous cliquez dessus, vous prenez le code et puis ça vous fera moins cher. Voilà. Donc profitez-en et franchement, c'est fort fort pratique. Merci encore, je le dis encore, merci Baznor. Ils n'étaient pas obligés de m'envoyer ça. Voilà, franchement, au départ, je ne pensais pas du tout l'utiliser. Mais après plusieurs voyages, c'est quand même pratique et vraiment fort, fort, fort intéressant et pratique. Et ça vaut pas bien cher, mais qu'est-ce que c'est pratique et que du coup, j'ai rien, j'ai plus rien qui traîne, ou quasiment plus rien qui traîne derrière. C'est facile de mettre le petit sac, vous le prenez à la poubelle après, et voilà. Les enfants sont ravis, c'est surtout ça. Le principal, allez. Donc du coup, je vous dis maintenant à la prochaine pour d'autres infos utiles, pratiques et pour la Tesla. Voilà, l'écran, je vais voir, mais pour moi, la pose, c'est un bijou. Voilà, ça se fait bien et pas de bulle d'air, rien. Donc maintenant, à voir dans le temps si ça tient correctement. Je vous referai une petite vidéo par rapport à ça. Voilà, et puis on verra. Mais je vous dis à plus et profitez bien de votre voiture, de vos Tesla. Si vous n'en avez pas encore et que vous souhaitez avoir un parrainage et autres, n'hésitez pas. Il y a mon lien de parrainage et puis enfin, ça serait avec plaisir de répondre à vos attentes, à vos questions. N'hésitez pas, je suis là pour ça. Et donc, si vous avez besoin, il ne faut pas hésiter. Je vous dis bye bye, à la prochaine, à plus. Merci pour tout. Allez, un petit pouce bleu, likez la vidéo, bien sûr, partagez, et ça fera plus que plaisir. Voilà, ça me permet de me faire connaître un peu plus et de faire partager des choses à l'ensemble, à d'autres personnes qui seraient intéressées. Allez-y. Allez, je vous laisse. Merci à tous ceux qui me soutiennent sur mon site internet shopicrea35.fr qui achète des choses et qui me permet de pouvoir continuer la chaîne. Et tout ça. Donc merci à eux. Donc n'hésitez pas à aller sur shop.icrea35.fr et puis voir voilà, s'il y a des choses sur le solaire qui vous intéressent ou sur le modèle Y. Je mets les bons plans et tout ça. J'essaye de mettre par rapport à ce que j'ai acheté et que je suis satisfait, bah, je vous mets les liens. Voilà, parce que tous les produits en règle générale sont achetés. Sinon, je vous le dis, comme là, l'histoire de Baznor, hein, c'est un produit qu'ils m'ont envoyé. Mais tellement que j'en suis ravi après usage que je vous le présente. Voilà. Et donc il sera en lien sur mon site shopicrea35.fr et dans les bons plans de la Tesla. Voilà. Comme les autres articles que j'avais eus et tout, l'appui tête. Hein, je vous redonne la petite chose. L'appui tête, franchement, au top aussi. Ça. Et le support de téléphone. Franchement, celui-ci, il est hyper pratique. Vous pouvez le mettre tout autour de l'écran. Voilà, vous voyez, là, j'ai rajouté l'écran de protection. On peut toujours le mettre. On gère l'épaisseur et tout. Donc ça, c'est hyper pratique. Je l'utilise vraiment régulièrement. Voilà, je le mets ici, ici. Voilà, et ça me permet d'avoir mon téléphone là avec les infos du bouton que j'utilise, le bouton, enfin voilà, qui est vraiment aussi intéressant. Je vous ferai un mon retour du sexy bouton prochainement. Je vais l'utiliser sur plusieurs milliers de kilomètres et donc je peux vous faire un retour plus précis assez rapidement. Voilà, donc allez, je vous dis à la prochaine. Vous n'hésitez pas à vous abonner pour avoir toutes les notifications parce que je sors des vidéos quand je peux. Et donc du coup, c'est pas régulier, mais voilà, moi c'est ma chaîne YouTube, c'est une chaîne de passion. Et donc je fais ça pas pour l'argent, je fais ça pour la passion. Et donc je sors des vidéos quand j'ai le temps.
Et donc c'est pour ça que n'hésitez pas à vous abonner, c'est le plus important pour ceux qui souhaitent continuer à voir les vidéos. Vous aurez les notifications quand je sors des vidéos. Voilà. Allez, je vous dis à plus.